In time, you will know the tragic extent of my failings. Ouais. Alors, bienvenue, on est reparti pour Darkest Dungeon. Ah, la dernière fois, j'étais tellement endormi. C'était ouf, quoi. Alors, on a un occultiste. Je crois que des occultistes, on en a déjà pas mal. On va faire 3 par classe, je pense. Grand maximum, ouais, on a déjà 3. Ah, putain, j'ai envie de virer lui. Ça nous fait quand même pas mal d'argent. Ah, comment... Est-ce qu'on a des soins? On a deux... Putain, on a beaucoup de... Ah, beaucoup de soins. Ça donne envie de virer notre occultiste. Et de prendre celui-là. Oh, pourquoi ils ont tous nervosité, quoi? C'est relou. Prodige, soin reçu. Tout ça parce que ça fait vraiment des économies, hein, tout simplement. genre si on compte. Genre forge. Ah merde, je peux pas voir. Ah putain, je me rappelle plus des prix. Je me rappelle plus des prix. Mais ouais, on va le prendre, je pense. Parce qu'on en a que 3. Non, ah non, on en a 4. On a Bourdekin aussi. Ah. De toute façon, on l'a jamais utilisé. Donc. C'est bien comme ça. Après, on a un nouveau croisé encore. Kleptomane, ouais, ça ira. De toute façon, on verra si on a besoin de gens, en fait, au moment venu, hein, comme d'habitude. Ah oui, j'ai un nouveau skin pour... Ah non, c'est pas les abominations, c'est pour les maîtres chiens, là. Bon, on en a pas, donc je peux pas le montrer. Donc, ouais, nouveau skin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière fois, on a fait quoi? La dernière fois, on a fait des petites missions pour récupérer des objets qu'on n'avait pas. Récolte exceptionnelle, donc ça c'est encore les ressources gratuites. Je regarde les événements, s'il y a des trucs intéressants. Objet trouvé. Ah. Est-ce qu'on connaît objet trouvé? Talisman de furie. Alors, vitesse, dégâts. Ah, c'est pas mal ça. Objet trouvé. C'est quoi objet trouvé? Genre si on perd... genre ceux qu'on a envoyés des fois boire et tout ça, genre ils ont perdu des reliques et tout. C'est ça, objet trouvé. On peut peut-être y aller. Les vétérans. Si on a des gens niveau 3. On peut refaire un coup de... Ah, quand même, ouais. T'es assez stressé. Ah bah oui, si, on en a un. Ah, voilà. On a la version jeune, en fait. C'est marrant. T'es pas stressé. Toi, t'es pas trop stressé. Allez, 4, on a dit qu'on les gardait de côté. Comme ça. Comme ça, et on joue tireur. Toi, tu joues en deuxième, donc tu pourras bonk. Ça. Très bien. Ok. Ça me paraît honnête. Il y a juste le stress de madame, là. C'est quoi leur maladie aussi? Ah ouais, toi t'es... Oh là là... Ciel contaminé... Ouais, Toi t'as des problèmes dans la vie, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mais... Mais c'est assez hardcore. Alors, est-ce qu'il marque...
Ok. On peut, je crois qu'on peut faire un truc. En plus, c'est relique de l'ancêtre. Bon, c'est pas trop. On peut pas enlever de maladie hein, avec cette équipe. Hein. On peut pas. Ah, on n'a pas empêché les embuscades. Et là. Oui, là on a, c'est surpris. 20-20. Et là c'est quoi? C'est 20-20, c'est pareil. C'est exactement pareil. Ok, c'est la même habilité. Ça va, pareil, ça va. Ça va, on va se débrouiller avec cette équipe d'objets trouvés. C'est juste les maladies, quoi. Ça va prendre un petit moment, mais ça devrait aller. Byung. Alors on a dégâts et précision, c'est pas mal. Dégâts et précision. On va où? On va à la crique avec les poissons. Et avec la créature aussi de. Comment ça s'appelle? La créature qui rôde là. Ça peut être pas mal. Donc, dégâts et précision avec les poissons. Attends, on peut mettre le truc de vitesse. Vitesse et esquive. Pourquoi t'as moins en esquive? Moins 5? C'est quoi le moins 5? Ah, la effacement! Aïe. Toi t'as quoi? Ah ouais non mais... Ah vous faites chier hein. vous êtes vraiment... Ah en plus elle on l'a augmenté du niveau 2, ah, d'accord. Ah toi aussi on t'a augmenté, oui, parce que toi t'es pas à jour. Ouais, vous inquiétez pas, on va se débrouiller avec ce qu'on a, y'a pas de... Alors, elle, on avait des breloques là pour le rang 4. Peut-être qu'ils sont un peu mieux là pour le stress déjà. Parce qu'elle, elle monte un peu trop. Genre, la précision est critique. Alors, compétences de soins. Alors, précision, vitesse et stress. Non. Est-ce qu'on n'avait pas un autre anneau là qui pouvait être intéressant pour elle? Genre en position 4. Alors, oui, on avait mis ça. Précision écrite. Je sais pas trop quoi lui mettre. On peut lui mettre le livre, la stress moins 20%, juste au cas où. Ça m'étonnerait qu'on en ait besoin non plus. Après, il faudrait un truc qui monte pas le stress non plus. Ce serait vraiment cool. HP, esquive, précision. Précision, protection. Ah oui, ça. Ouais, mais du coup, on lui met un et pas l'autre. Parce que là, 2 fois 15, pour 15 en précision, je crois que ça va, quoi. Je pense pas qu'elle va louper. Hein. Faut peut-être pas exagérer non plus. Attends, on n'a pas grand chose. Je vais devoir mettre dégâts 20 là. Ouais, mais c'est stress plus 20. Plus 10, pardon. Ouais, ça va, à la limite, ça se. À la limite, ça va se. S'inverser, ça va se contrer. Alors, très bien. Pour le chien, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Pas vraiment, encore une fois, pas vraiment. On peut mettre ça peut-être, un peu plus d'esquive. Critique et dégâts. Toi on a quoi? On a du dégât et de la précision, donc peu importe maintenant. Donc on va tuer des bestioles, donc c'est des horreurs. Ah oui mais non, ouais, on va mettre ça à la place, parce que j'ai pas envie de perdre... Ah oh, attendez, on peut mettre ça? On peut tester. Donc, premier tour, 8 vitesse, 8, critique 12 au premier tour. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va voir si ça fonctionne, en fait. Voir si on peut one-shot la plupart des trucs. Ça serait vraiment sympa. Du coup, toi, on le change. On te met en stun. Voilà.
Voilà. Je crois qu'on est bon. Donc on va faire objet trouvé. Alors, collecter les trois reliques. Ça va, ça doit pas être trop compliqué. Pam pam. Biscuit. 4. 4. 2. 4. J'en prends toujours un peu trop, mais. 4. Ouais, on est un peu chargé quand même. Mais bon, c'est devenu un peu le. J'en ai un peu marre, honnêtement, à chaque fois de toujours tout regarder, parce que je me rappelle pas exactement, genre. On va dire en gros quel pourcentage de chance on a de trouver un certain type d'objet. Ah, vous croyez qu'on peut faire ça? Non, on n'a pas l'équipe, je pense pas. On n'a pas de vrai tank et tout ça. À 15 à 27. Très potable, je dirais. J'ai pas vu le. Ah merde, le taux de critique, j'ai pas regardé. Waouh, t'es sans déconner quoi. Confidence surges as the enemy crumbles. Ouais, 70%. Très bien. Nickel. Merde, je peux que marquer. Ok. Si on fait ça, du coup. Pas mal. Pourquoi t'as fait 5-2? Attends, tu vois. T'es pas censé pouvoir faire 5, on est d'accord? Ah oui, non, 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 si, si, t'as le 20%. Ok, j'en. J'aurais dû balancer le chien. Ah, c'est pas mal, hein, 33%, donc on arrive à 66%. Hop là. C'est pas mal. Pas mal, là, comme ça. Pas mal. Ouh, yes. Ouh, yes. Je saigne. Non, non, tu saignes plus. Falloir de la place. Qu'est-ce qu'on fait? On avance jusque là et on campe ici. Après on retourne en arrière. Comme ça on fait quand même quelques combats. Sans les buffs, puis après on se buff. À 28% de crit. Le mieux ça serait. Alors, je sais pas si c'est possible. Hein, parce que ça fait beaucoup 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 de vitesse. Mais le mieux, ça serait d'avoir un bouffon qui va encore plus vite. Comme ça, on peut lui mettre, genre, c'est quoi, au niveau 5, 6% de plus. Et du coup, il aurait un critique de fou, en fait. Il aurait le 12% plus, ouais, il sera à 30% de critique, un truc comme ça. Continue the onslaught. Joli. Destroy them all. Bien. Ah, le chien, il loupe. Alors, on peut voir un peu... 12 à 23.
pas le bonk. Hop. Hop. J'aurais dû peut-être le taper en fait, le tuer. Ah putain, pourquoi tu vas aussi vite? As the fiend falls, a faint hope blossoms. Pourquoi tu vas aussi vite, monsieur? Allez, encore un combat et on dort. Et on se repose, pardon. Ouh, deux tanks. Deux tanks. In radiance, may we find victory. Pourquoi tu loupes comme ça le kleps là-haut? Précision et critique en moins, ça peut être pas mal pour celui-là de derrière. Louper ton soin, ce serait marrant toi. Aïe aïe. Je sens que ça va durer un moment là ce combat. Je sens que ça va durer un moment. Press this advantage. Give them no quarter. Très bien. Ouais, le mieux, ouais. Ou alors je me soigne plutôt pour éviter de tomber, hein. Tomber dans l'agonie là. Ça c'est nul. Ce qui est chiant, c'est qu'eux ils font pas trop mal. Bon, ils sont résistants, c'est chiant. Mais ils font du saignement en fait. Extrêmement relou. Bien. 27 d'esquive quand même, c'est ouf. Ah super. Encore plus de protection, manquait plus que ça. Aïe 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 aïe. Là, il nous faut des perces boucliers, hein. Putain. Ah. On va faire ça. Comme ça, il se fera un peu mieux soigner. Les blessures de la guerre peuvent être guéries.
masterfully yes. executed. Ha. Le saignement, quoi. Pourquoi t'es passé avant l'autre, avant? Parce que t'avais de la vitesse en plus, c'est ça? These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Alors, les reliques de l'ancêtre. Putain, c'est loin. Ça, je m'en rappelle plus ce que c'est. À quoi ça sert. Cove, c'est pour un boost. Ou non, enfin ça c'est pour un boost, je crois. Ah non, c'est pour déstresser. Okay. Ça marche. Young. A moment of respite, a chance to steel oneself against the coming horrors. Alors, la garde canine. La garde canine. Donc on a précision et dégâts 3. Et ça c'est 3 aussi du coup. Ah non, c'est 4 lui. Pourquoi c'est 4? 10, 20, 8. 10, 20, 8. Ah, c'est parce qu'il y a vitesse moins 2 en fait. Du coup ils ont mis 3. Ah, c'est pas mal. Ah, elle peut soigner tous les compagnons. C'est pas mal aussi. Esquive et vitesse. Dégâts en mêlée. J'aurais bien voulu ouais de la défense, mais au final ils sont pas pieux, donc ça sert un peu à rien, donc on va faire ça. Nettoyer le mousquet. Lustré et poli, tu tireras juste à présent mon amour. Nettoyage. Je sais pas siffler. Et ça du coup on peut faire boing. Voilà. Parfait. Ah nickel. Alors du coup on fait demi-tour parce que de toute façon on va pas revenir. C'est trop loin. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the fool. Ah, on va en chier de tout. De tout porter. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ouais, on va en chier de tout porter. Ah putain, il est kleptomane. Non, il est matérialé, ça va. Ah, ah oui, le gros poisson qui fait le gros crabe qui fait du saignement. Oui, 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 oui. Puis en plus qui est ultra relou à tuer quoi. Écrite en moins, tiens. Impressive. Ah, c'est ça, non? Oh, ça va.
précision et de pouvoir. Surtout pour leur mettre des debuffs, là, et surtout à lui, là. Étourdir, ça va être chaud, hein, d'étourdir ce machin. Par contre, on peut tuer lui. Aïe, non, non, pas le saignement, pas le saignement. Oh non, 8 de dégâts. Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh non, putain de chien. Bravo, putain de chien. Mon dieu. On n'arrive même pas à le soigner en fait, c'est ouf quoi. Ah, j'ai pas envie de d'utiliser le bandage maintenant en fait. Très bien. Il a pas beaucoup de vitesse donc ça va très bien. Ah ça aide hein, le plus 33 là. Alors on va envoyer le chien. Vas-y fais le saigner. C'est du crabe, c'est bon en plus. Non, 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 non. Ah, c'est chaud. J'ai tellement abusé ce saignement. C'est un truc. Vous mettez deux crabes. Je crois qu'honnêtement, c'est la mort. Ça ferait 16 de dégâts. Ouf, 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 ça fait mal. On va l'enlever. Donc on a un curio là, mais c'est pas les reliques. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Qu'est-ce qu'on fait? 750. Ouais, mais non, on va sûrement avoir besoin du reste de ce qu'on a. C'est quand même vachement grand. Objet de quête. Objet de quête. Ça marche. Non, tu vas te faire mal, tu vas te saigner du coup. Ouais, je suis d'accord. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas un gros saignement encore. Donc objectif de quête ici, objectif de quête là-bas. On peut aller faire ça d'abord. Et 36% de crit. Eradicated. Enfin. A devastating blow.
nickel. Toi. Bon, ça va, elle se débrouille bien avec le stress, elle. Bon, après, c'est vrai qu'elle se fait pas trop toucher. Je sais pas pourquoi, mais il y a personne qui la cible, en fait. Elle a dû peut-être se faire cibler deux fois, quoi, en tout. Donc ça, c'est cool. Pampan. J'aurais bien voulu que ça fasse pampan un peu plus fort quand même. Vas-y, fais-moi un repérage qu'on voit si... On voit si c'est là ou pas. Non. J'ai mon café, il est froid. Non. Donc, 1, 2... Bah, on fait comme ça, alors, du coup, et on va à droite. Là, non. Donc, c'est où ce couloir, la salle, ou ce couloir, ok. On va pas trop se balader, ça sert à rien, on n'a pas de place. En plus, on doit récupérer à chaque fois des caisses. Alors, relique de l'ancêtre, certaines choses devraient rester fermées. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Je pense que niveau torche, on est bon. Is struck. A blazing star is born. Bien. On va le prendre directement. On prendra la place de ça, je crois. Je prendrais bien les bandages et tout. De toute façon, on a une salle là, donc. Ah, encore. Aïe, aïe, aïe. Pas vraiment ça le saignement, putain. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Ok. Ah mais attendez, je lui ai mis ça moi sur lui. Mais j'ai fait de la merde en fait, désolé. Ça c'est distance. Les deux attaques que je fais c'est du distance. Il n'y a que le blackjack qui est mêlé. Ah putain, c'est vraiment très con. J'avais pas fait attention sur le coup. Ah, sur le coup, j'ai pas réfléchi. Bon, le chien, je pensais que c'était que du.
que du mêlée parce que c'est le chien qui mord, quoi. Mais en fait, non, il faut penser que c'est le mec qu'on contrôle, et du coup, ça c'est. Ça c'est le mec qui donne les ordres, du coup, ça c'est de la distance, le chien. Ouais. Retourbissement. Boom. The ground quakes. Très bien. Le bruit du mousquet là est pas mal. J'aime bien. Ah tiens, un truc qui doit être pas mal, c'est avec elle là, quand elle soigne, elle fait 33%, si elle fait 2 tours, elle fait 66. Et vous mettez le régène du flagellant. Ça peut être intéressant, je pense. Genre peut-être un régène à 6 par tour pendant 3 ou 4 tours, je crois, ou 7 HP. Ça peut vraiment être sympa. Pas de clé. Ça. Il va sûrement avoir un piège, non? The light, the promise of safety. Ok. Allez, boum! Ah putain, tu peux pas le... Juste le défoncer, le machin? Ah, super. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. J'aime bien ce debuff. Est-ce qu'elle a pareil là, l'arbalétrière? Est-ce que c'est précision et critique aussi? Parce que le pourcentage de critique, j'avoue que c'est pas mal. C'est un truc que j'avais dit que ça existait pas. C'était la défense contre les critiques. Potentiellement, j'ai toujours raison. Parce que je crois pas que ça existe, de la défense contre les critiques. Mais on peut baisser le taux de critique des monstres. Mais bon, après, c'est quoi leur critique de base? Ça, j'en sais rien. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'elle doit marquer elle-même. C'est... En fait, faudrait avoir un marqueur, comme ça, on enlève le marqueur pour elle. Et après, elle devient mieux. Mais elle pourrait aussi débuff en même temps avec... Ah, peut-être ça dure qu'un tour. La précision et tout. Je sais pas si ça vaut le coup de le garder, le 1000 de saphir. Et j'aime bien l'argent, on a toujours besoin d'argent dans le jeu.
Let's go. Mission menée à bien. Mission menée à bien. Très bien. 15K. Et ça. Ça, c'est... Je trouve ça pas mal. Bon, par contre, il y a beaucoup de stress. Mais bon. C'est pas mal. Yes, niveau 4, 4, 4, 4, 4. C'est dur, ouais. Waouh, super. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait aussi des dégâts en moins à cause de sa maladie, elle. Objet trouvé. Alors, au final, les heures passées à fouiller les vieux tonneaux et les râteliers d'armes abandonnés ont porté leurs fruits. La mercerie gratuite. Ah, c'est ça. Donc, je pensais que ça allait être autre chose. Mais quand tu me dis 1, c'est... genre une personne. Ou c'est un niveau. Je regarde si tous mes niveaux 6 sont bons, mais non. Ah. Einstein ? Non. Dark ? Ah ouais, c'est un seul. Oh la vache. Ouais, bof. Ben, ouais. Ouais, ça fait 4000 de gagner. Enfin, après, c'est 4000 parce que nous, c'est au max. J'avoue que avoir ça au début du jeu, genre sans avoir les fourneaux là, parce que 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est moins 50%. Ça fait beaucoup d'argent. Mais bon, au début du jeu, t'as pas des niveaux 6 non plus. Donc c'est pas comme si t'allais payer 4000. Ouais. Ouais, en fait, c'est pas vraiment... Je pensais que c'était lié au breloque, moi. Mais non, pardon. Miroir. Ouais, je pensais que ça allait être lié au breloque. Il y a une chose que je voudrais, donc en fait avec les cristaux, là, faudrait aussi faire les bâtiments. Mais il y a ça, que j'avais vu que c'était vachement bien. Et il y a aussi le bouclier réflectif. Et on peut peut-être... parce que ça fait de l'esquive en fait aussi, hein, quand même. Et on peut peut-être faire notre homme d'armes. Du coup, ça lui mettrait deux boucliers avec ça, en fait. Parce que ça sera en position 4, c'est pas très intéressant, mais ça... Donc du coup, il aurait étourdissement, plus 30% et déplacement et tout ça. Et on le fait stun, en fait, en boucle les choses la plupart du temps. Du coup, il a encore plus de résistement au bout d'étourdissement. En fait, il est jamais étourdi, le mec. Et il renvoie 30% des dégâts. Ça peut être pas mal. Et après, en théorie, s'il a plus d'esquive et qu'il prend pas de dégâts, du coup, on renvoie rien. Ah, c'est... Ouais, c'est intéressant comme concept. Ouais, c'est un peu étrange comme concept, en fait. Là, on a un dégât 20%, complètement sans malus, en fait. Bon, il y a juste le truc de tirer aléatoirement. Mais bon, contre les boss et tout, c'est jamais trop un problème. Il y a autre chose que je voulais prendre, donc c'est ça, ça... Non, je crois que c'est tout, en fait. Je crois que c'est tout. Ça, pour la pièce de tombe, ouais, c'est la pièce de tombe. Durée d'infection plus 50% qu'on a appliqué. Ça, c'est pas mal pour les boss qui ont plusieurs tours. Ouais, ça pour l'antiquaire aussi, c'est vrai. Mais s'il y a des éclats dans l'inventaire, les éclats, on les a, je crois qu'on a fait genre un run. Genre quand on a rempli une barre entière. Enfin bref. Ah, il est là, le mec. C'est marrant. J'aime bien les petits changements comme ça quand il y a des... Il y a des événements. C'est vachement cool.
Yeah, on a... résisté au malus, plus 50% et stress, moins 20. Ah, c'est bien ça. Du coup, c'est mieux que le livre. Donc ça, c'est la sirène envoûtante. Qu'est-ce qu'on a de... est-ce qu'on a des événements intéressants? Parce qu'il y a, des... il y a plein d'événements, maintenant j'ai envie de voir un peu en fait tout ce qu'ils font. Ça, dans les fois. Ça, on l'a déjà. Ça aussi, on l'a. Convention médicale, on connaît. Soleil dans les fourrés, je suis... je sais pas. Silence dans les cryptes. La Toussaint, c'est pratique. La Toussaint, c'est pratique. Je veux bien aller récupérer la sirène. Je veux bien aller récupérer la sirène. Donc on a encore plus de niveau 4, ça c'est bien. C'est très bien. Bon, ça c'est cool. En plus on les a fait déstresser. Enfin il y avait la... elle qui avait... Oh mon dieu, où est-ce qu'elle a elle. Bah attendez, du coup on va faire ça. Toi, t'en as un peu trop. Là. Augmente les chances de soigner des maladies supplémentaires. The front line of this war is not in the dungeon, but rather inside the mind. Alors, 21. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait 60 qui partent. Quoique non, c'est enfin, de toute façon ça sera utile hein, de toute façon. Donc j'ai envie de dire. Ou à moins qu'on garde pour un bâtiment, mais je... pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas de bâtiment très intéressant. Il y en a un qui peut être intéressant, mais ça. Mais on n'utilise plus de bouffons, donc ça sert un peu à rien pour le moment. Deux bouteilles de sang brassées chaque semaine. Ça, ça m'intéresse aussi, mais bon, c'est quand on fera surtout le. DLC. Après, on m'a dit le DLC avec les vampires là, on trouvera du sang, bon, souvent. Donc il n'y a pas trop de problèmes. On a déjà plus d'une vingtaine, mais on en trouvera beaucoup dans le DLC. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Ça, on m'a expliqué plus ou moins que vos mecs peuvent devenir des sortes de vampires et ils doivent boire du sang sinon ils crèvent. Les piles de gemmes, ça m'intéresse. Enfin, on verra ça. Enfin, on va faire ça. Ça nous fait économiser de l'argent. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Là, c'est 30. Ah, mais j'y arriverai pas à 30. Curious methodologies and apparatus can calm even the most tormented soul. Alors, le plus embêtant, c'est celui-là. Voilà, très bien. En plus, c'est pas cher du tout. Toi, t'as quoi? Toi, t'as la rage. Qui c'est qui a encore des maladies de chiantes? Infection. La fièvre. Ah oui, la fièvre. Hop. Voilà. Ah, putain, on en a encore plein. Oui, bah après, c'est surtout les... ok. Surtout les gens, en fait, qui peuvent se l'enlever eux-mêmes. Ah non, on en a quand même beaucoup. Hein. On est un peu en retard. Alors après, est-ce qu'on a des habilités intéressantes à Log? Je crois pas qu'on ait des trucs intéressants. Je pense pas. Regarde ça vite fait, puis après on va faire le boss. Si j'ai assez de gens. Mais je pense que oui. Je crois qu'on a personne de 50, du coup on va prendre un groupe 6. Amélioration d'armes. Ça c'est les gens cristaux. Après, je sais qu'il y en a qui avaient des trucs un peu chiants.
négatif, mais je sais plus trop qui. Ténacité, ça peut pas mal. Second souffle. Œil de lynx, une habilité à distance, oui, mais non, lui, c'est plutôt. Corps à corps. À la limite, il y a intouchable pour Runeville. Tiens, Kulai. Kulai, elle peut avoir l'art de dégainer. Et le trac aussi, ouais. Ok, Kulai, tu vas prendre ça. Et on va t'enlever la précision. Ça fait cher, mais... Voilà, très bien. Et après, on a... Soin de stress reçu. Mais bon, elle se fait pas vraiment trop toucher. Ouais, on est bon. Je pense qu'on est bon. Boing. Voilà. Donc c'est la sirène. La sirène envoûtante. La sirène, elle va prendre quelqu'un. Ce serait bien d'avoir des gens résistants. On fait quoi? On fait le basique flagellant. C'est une sirène, c'est une horreur. Donc elle peut saigner et être infectée. Ah, donnez-moi 5 minutes, je vais couper, je reviens direct, je vais faire un groupe. Je vais réfléchir à un groupe. Ok, j'ai mon équipe, elle est assez banale. Il y a Furnival qui est malade, et il y a aussi Verdun qui est malade. Donc on va soigner les deux. Y a, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de compétences de campement, honnêtement. Il n'y a pas vraiment trop de buff. Mais on va prendre ça. Par contre, il y a Kiaran qu'il faut augmenter. Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais ça. Kiaran. Il y a ça. Oui, la disparition. Et après, bon, l'attaque principale aussi. Et après, je sais jamais trop quoi augmenter. De toute façon, on n'arrête pas de changer. Pas vraiment grave. Qu'est-ce qu'on lui a mis là pour le moment? Je lui ai mis ça, ça. Ouais, après le lancer de poignard qui peut aller un peu partout en fait. Genre même si on fait par exemple disparition, après on peut lancer une dague. C'est un peu le truc polyvalent, elle touche à 2, 3 et 4. Puis en plus il y a beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques, la 15 critiques de base. Ça c'est pas mal, mais je sais pas si ça pourrait être mieux. On pourrait trouver plus de critiques en fait. Mais j'avoue que ouais, désarmer le repérage est quand même utile. Quand même vachement utile pour les donjons en général. Ouais. Tung, tung, tung. On a, oui, on a l'habilité pour dormir. Trois pelles, deux trucs. Voilà. Je pense que ça suffit. Et c'est parti. Under the blood moon, I lured my wide-eyed prey to the pier's edge. Before she could properly appreciate her position, I clamped on a manacle, chaining her to the leering idol. A small push was sufficient to send both into the icy waters. And when at length the tide receded,
jewels of the most magnificent grandeur lay scattered upon the shore. Ça, c'est quand il a balancé elle. Enfin, non, c'est quand il a balancé les pirates ou je sais pas quoi. I always wondered what became of the unfortunate little whiff. Enfin, bref. Il a fait des trucs méchants. Waouh, alors. J'imagine que ça doit être là. Il a été méchant, l'ancêtre. C'est quoi le papier? Ça te parle de quoi? Honoré enterrement les règles, je vais laisser les tripes d'années de misère. Okay. C'est parti! Disparition ninja! Infection x2. Saignement x2. Ou pas. Unnerved, unbalanced. C'est bien. Ça, ça fait un peu chier. Alors, 18 à 36. Ouais, mais toi, tu vas... Vers toi. Pour l'instant, ils ont oublié, ils ont une petite amnésie sur ce qui est l'esquive. Pas grave, ça arrive à tout le monde, j'ai envie de dire. The wounds of war can be healed. C'est vrai que elle soigne bien. Slowly, gently. This is how a life is taken. On va faire un super coup avec Kiaran et le machin il a plus d'HP quoi. Yeah, regardez-moi ces dégâts. 24 à 48. Sans crit. Hop, crit 71. Wow. C'est bien. Ça fait quoi ça? Ah, c'est un. Ah ouais, mais attends, si jamais on rencontre des barricades. Je me demande s'il peut faire boom au premier tour. J'ai jamais vu encore faire ça. Donc je sais pas trop. Pas mal.
Ah merde, c'est pas suffisant. Je pensais que ça allait être suffisant. Peut-être ça va hein, les soins hein, avec ça, ça va. Tiens, dégâts en plus 4 à 8. Ah oui, 40 de protection. 7 à 14. Ouais bah. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Je sais pas si... Parce que j'essaye de m'avancer en fait pour pouvoir me reposer, mais il faudrait genre s'arrêter là, parce qu'il peut avoir quand même pas mal de combats. Et en plus, on peut peut-être retrouver des combats sur des anciens... couloir en fait. Ça va être un peu la merde. Elle soigne vachement bien, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a le 20% là. Destroyed. The slow death. Ou je sais plus ce que je lui ai mis. Ah oui, je lui ai mis soin. Ah oui, j'ai pas montré. J'ai mis pour les objets, j'ai mis compétences. Maintenant, je commence à toujours mettre des compétences de soin en fait pour les bestioles. Parce que c'est vrai que les soins, ils sont quand même assez petits au final. On va dire que le cultisme peut un peu plus vous sauver la vie de temps en temps, ça dépend des situations. Comme d'habitude pour le médecin. Après ouais, là, critique dégâts, critique vitesse. Et là on a mis de la précision, protection et l'esquive. Parce que voilà quoi. Confluence of skill and purpose. Ah, il est résistant au saignement quand même. Il est à 100% de base. Très bien. A decisive pummeling. Pas la joie. La page de journal, j'ai envie de la garder. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Alors, fais voir. C'est rien. Ok.
Ça veut dire que, avec de la chance, on peut revenir sans tomber sur de combat, rien. On va pouvoir camper là. Curio, piège. Ok, ça va, il n'y a pas de... Curio. Camping. A moment of respite, a chance to steel oneself against the coming horrors. Bien. Alors, donc il y a toi qui est... et toi. Alors la fièvre, c'est bon. Toi, tu peux la tabatière à elle. Voilà. Très bien. Donc maintenant on a 7. Ah oui, putain, il faut qu'on fasse ça quand même parce qu'on sait jamais. Ça c'est embêtant ça. Après je pense qu'on va prier. Merde. Prier. Précision esquive. Ah non. Ah oui, c'est vrai que lui, il est croyant, donc hein, ça, c'est bien. Parfait. Pam, palam, pam. Ça se passe bien. As the light gains purchase, alors, toi... spirits are lifted, and purpose is made clear. Nickel. Dégâts 18. Bon, c'est un petit dégât, hein, c'est pas énorme. Ça, on peut l'ouvrir. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ok, tranquille. J'étais en train de me demander à des moments si j'ai encore des vieilles vidéos quand j'avais testé le jeu quand il était sorti. Ça doit être une horreur à regarder. Genre, je dois faire n'importe quoi. Hop. Il nous faut des clés encore ? Non. Il nous faut pas de pelle non plus. In radiance, may we find victory. Voilà, très bien. Alors. Quel? The promise of safety. The aquatic devils have remade the poor girl in their image. She is their queen and their slave. C'est à cause de lui en plus, à cause de l'ancêtre, hein. Il l'a jeté ou je sais pas quoi. Hein. Il l'a abandonné avec les hommes poissons et c'est devenu ça. Est-ce qu'on peut la... Eh, on peut l'étourdir. Hein. Enfin, on a une chance. Yeah, let's go. Chant du désir, non. Pour les marées. Ah putain, il l'a sauvé. On le défonce. Ah, mais on peut pas l'attaquer. Si, bah, si, je pense qu'on peut l'attaquer. 26 à 52. Parce qu'il y a de l'infection et elle est en vrai, c'est pas mal. 43% de faire un crit. Pas mal. Ah, par contre, un truc, si on joue elle. Est-ce qu'on pourrait faire, parce que ça, l'étourdissement, en fait, on l'utilise pas. C'est peut-être une erreur de ma part, j'aurais dû y penser. C'est prendre ça, en fait, la vapeur de force. Pour augmenter les dégâts de Kiaran. Là, ça serait trop bien, en fait. Vraiment trop bien. On n'arrive pas à faire passer le malus, mais l'infection elle passe.
talisman. Faut que tu reviennes, Verdun. Attends, là tu m'embêtes. Ah, on va faire un truc que j'aime pas, mais... C'est pour pouvoir continuer à l'infecter en fait. Ah putain, du coup elle m'a mis devant. Aïe aïe aïe, la merde. Sinon, faut la garder. Enfin, elle, faut la garder en arrière, sinon je peux pas faire mon attaque. Non, il va pas se faire stun. Il a une bonne résistance. C'est dégueulasse. C'est con qu'elle ait pas. Elle soit pas. Infectée. Yes! Joli, joli, joli. Putain, en plus elle a plein d'esquives quand elle fait ça là, quand on fait ce système d'attaque. Même pas pouvoir la saigner quoi. Ah, ça va, j'ai eu peur. Faire mal. Merde, je peux pas. On peut faire ça. 16-32. Voilà. 47. Très bien. Et merde. Ouais. De toute façon, comme ça, si lui il revient, elle sera toujours en deuxième, donc elle peut toujours. Faire son attaque. Ah mais non, mais il revient à gauche. Ah putain, c'est vrai. Oui. Non, je voulais pas se... Merde. Je voulais me mettre devant. Wherefore, heroism. Aïe aïe. Ah, bravo. Il manquerait plus qu'elle, elle fasse un crit de soin sur la sirène. Hideous matriarch, vile queen of the aquatic depths. She has no place in a sane world.
Nickel. Merci les mecs, bravo. Bien joué. On a fait stresser Verdun pour rien, mais c'est pas grave. On a eu ça aussi. Ah oui, on l'a déjà eu, je crois. Donc, Kong de la sirène, résistance au malus et stress moins 20%. C'est pas mal ça. De la merde. Bon, ça, ça a remplacé au naturel, ça c'est bien. Scientifique, ça nous fait vraiment chier. Le temps se remplace. Ouais, bon, on s'en fout. Maladresse, très chiant aussi. Ok, vous avez des trucs chiants, c'est bien. Merci, ça fait plaisir. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Yes, elle a eu tout en ruant, tout enlevé. Prévu supprimer le track, l'art de dégainer permanent. Nickel. On a une abomination vétérante. Une abomination vétérante, ça peut être intéressant. Ces abominations, on en a une seule, je crois. Elle est niveau 1, donc c'est pas vraiment un truc qu'on va utiliser. Bon, après c'est ça là avec ouais, avec infaillible et envie de bagarre. Donc oui, j'avoue que c'est pas mal. Est-ce que ça vaut tout l'argent du monde? Tortured and reclusive. This man is more dangerous than he seems. Alors, très bien, récolte exceptionnelle. Attendez, les gens. On passe notre vie là-dedans. C'est vachement bien ce truc. C'est vachement bien. Entre les maladies, les trucs à loc et tout. Bon, toi ça va. Quoique, en fait, toi t'as. Ah oui, non, mais toi t'as les deux trucs comme. C'est pour ça que tu stressais beaucoup en fait. Je trouvais que tu stressais un peu trop comparé aux gens. Putain. Vache quoi. Alors Kiaran, ta scientifique qu'il faut absolument virer. C'est un des plus chiants. Après le stress ça va, ça gère, mais scientifique c'est jour et nuit. Ça peut être mort ou vif quoi. Alors. Point de stress reçu. Je dirais pas non. Après, qu'est-ce qu'on a? Maladresse. Toi, t'as vraiment rien d'intéressant, c'est ouf. Hein. Il va falloir vraiment que tu te. Hein? Que tu fasses quelque chose. Mais bon, la maladresse, ça peut être mortel. Toi aussi, il faudrait t'enlever des trucs. 60! Oh putain, c'est pas demain qu'on va les avoir. Ok, les maladies, toi. Maladie. Vertige, campement, le soin. C'est très chiant. Putain, tout notre argent il part dans le. Hein? Non mais oh. Non mais oh, j'ai fait ça, je sais pas pourquoi en fait. Fallait peut-être pas le faire parce que ça servait à rien. Parce que les habilités. Enfin les. Ouais, bon, bref, ouais, c'est fait, on s'en fout. Le stress. Le stress.
Réduit traitement. Salle de pénitence. Toi c'est. Ouais, toi c'est que là, salle de pénitence. 19. Merde, je vais en avoir assez des machins. Non, du coup. Quel con. C'est pas grave. J'ai pas compté, j'ai pas regardé. J'ai pas fait attention. Voilà. Tout le reste, ça va. Eh ben. Putain. On a pas dépensé, je crois, 20 000, un truc comme ça, quoi, pour... déstresser tout le monde et tout quoi. Donc du coup on a eu notre objet qui est ça, donc ça c'est bien. Stress moins 20% c'est bien, c'est comme le livre en fait, parce que j'avais dit que je voulais des livres là juste au cas où pour certains, bah pour en fait la farm à l'infini. Et là on a résistance au malus en plus 50% en plus, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme boss niveau 3? In time. You will know the tragic extent of my failings. On a le canon pirate, la chair encore, la sorcière. Donc encore 4. Donc pirate c'est là, la chair c'est tanière, la sorcière c'est dans le wild. Soleil dans les fourrés. Récolte exceptionnelle. Silence dans les cryptes. Ça on l'a, oui ça on l'a. On peut faire encore un run, je sais pas trop quoi. Objet trouvé. Ah, on peut faire objet trouvé. Ouais, non, mais y a rien d'intéressant. On fait un run champion, mais putain, c'est fin long, ça va être très long. Non, ça on le fera la prochaine fois, je pense, si ça y est encore. Parce que ça, ça risque de durer plus d'une heure en fait. C'est très très long quand même. On monte de niveau, bah c'est trois endroits de toute façon. On peut faire objet trouvé encore une fois, mais bon. C'est pas comme si les récompenses étaient très intéressantes. J'avais parlé du fait que là, c'est la ferme elle est bloquée dans un cycle de temps infini là. Ouais. C'est quoi ça, objectif final? Reflet insupportable. Eh ben. Aussi, c'est que les semaines, elles passent pas. Donc ça aussi, ça prouve bien que c'est bien bloqué. Cadavre infecté, soleil dans les foies. On pourrait... Est-ce qu'on a... Ouais, non, mais je crois que maintenant, on a que des gens 2. La plupart, oui, on a qu'un seul qui... Donc à la limite, ça sert à rien de faire du niveau 1. Pour monter des gens. De toute façon, on va le faire là. Après, on a des gens 4. On n'a pas de gens 5. C'est bien. On pourrait faire un groupe de 3. Champion. Non. Ah merde, c'est que dans les ruines en fait. C'est que dans les ruines. Stress moins 20% c'est supérieur à 75, tiens. Secteur supérieur, c'est pas mal ça aussi. Silence dans les cryptes. Oh, je sais pas. Y a rien, là, y a rien d'intéressant par contre. On fait un petit run argent. Genre avec ça par exemple. Protection et PV, ça peut toujours être intéressant. Petit run argent alors. Normalement on a l'antiquaire là qui est dispo je crois. Ah non, non j'ai rien dit, je suis en train de lui enlever je sais pas quoi. La fièvre peut-être, j'en sais rien. Oh merde. Je sais pas quoi faire, y a rien d'intéressant. Bandit, mêlée. Ah, il y a rien d'intéressant. Triste.
Bon, on va prendre ça par exemple. On va aller chercher ça, comme ça, ça nous fera un peu plus de gens niveau 4. C'était une abomination. Ça nous ferait deux abominations. Non. Arbalétrière. Oui, c'est vrai que arbalétrière, comme ça, ça nous fait deux personnages de. Est-ce qu'on peut mettre arbalétrière et mousquetaire? Ou alors deux arbalétrières. En gros, deux personnages au fond. Ouais, ils peuvent. Hein, ils peuvent. Genre, à chaque fois, c'est 3 et 4. Donc, on peut faire. Deux tireurs. Enfin, on va la garder parce que j'ai pas envie qu'elle monte à 5 pour le moment. Mais on peut. Ça, elle, on va l'envoyer en chez les vampires et tout ça. On va faire un groupe aussi pour l'excursion vampirique là. Le bandit bof. Est-ce qu'on peut faire deux bêtes? J'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça me paraît pas mal. On fait deux bêtes pour ça. 100 pièces de 100% des pièces de combat. Bah, 100% des pièces de combat, je suis vraiment pas fan, mais c'est du vétéran, ça devrait pas être trop être lent. Long. Après la question c'est est-ce que la bête, l'abomination, elle est croyante? Je pense pas. Je crois pas. Mais en tout cas, tu peux jouer en avant toi. Pas vraiment en fait. Merde. Ah merde. Oh. Ça veut dire qu'on est obligé de prendre un tireur, mais on en a déjà plein. 1, 2, 3, 4. Bon après c'est des gens qu'on n'est pas obligé de monter, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent dedans quoi. Elle est où l'autre abomination? Putain, je mets 3 ans à trouver les gens, désolé. Vitesse et esquive. Mais c'est pas toi que je voulais mettre. Putain. Non, on va mettre deux abominations. On va se débrouiller avec ça. Ça me saoule là. J'ai pas envie de chercher 3 heures. En fait, faudrait prendre des niveaux 2 exactement pour être efficace. Je pense. De toute façon, ça va vite. Protection plus 15. Ça va vite. Bien joué, ça va. C'est pas grave. On prend la boîte de Pandore là. Pas d'ouverture. Très bien. Toi, t'es en position 4. Précision, vitesse. Ou alors, précision, vitesse, stress. Mais moi, je voudrais... Merde. Je me rappelle même plus à quoi ça ressemble. Ah tiens, on pourrait te faire ça. Critique. Premier tour, donc vitesse critique et après précision. Putain, c'était où?
précision crit. Ah, mais c'est un truc du... du mousquetaire qui a ça. On n'avait pas un objet qui augmente en position 4, là. Précision et vitesse. C'est quoi l'autre objet qu'on a pour la position 4? Oh là là, je suis désolé. Je suis aveugle, j'ai pas de mémoire apparemment. Qui faisait du crit aussi, non mais c'est mousquetaire. Bon, c'est pas grave. On pourrait faire ça, crit 5. Crit 5 avec ça ferait critique 17 en début de jeu. Est-ce qu'on peut augmenter ça? Je crois pas. Hein. Je crois pas du tout. Ça m'a l'air pas mal. Genre pour voir si on peut pas one-shot des trucs à l'arrière direct. Et en plus à la rage. Ça peut être intéressant. À la limite, la rage, on la laisse. Comme d'habitude. Genre, on a beaucoup joué avec des ennemis, avec des gens là qui étaient atteints de rage. Alors, toi. Allez, go, ça commence à me gaver. Ça commence à me saouler. Je trouve pas l'objet. Il y a un objet qui faisait critique. Qui faisait critique et précision 15. Mais je le trouve. Alors, pièce de combat. Marrant, tu vois. Quand il marche, on a le bruit des chaînes, je crois. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Ok, super. Wow. Oh, piège. Bien joué. Donc en théorie, là, tout le monde va stresser à fond hein, quand elles vont se transformer. Enfin, quand les deux abominations vont se transformer. Ça va être une catastrophe. On verra. On verra ce que ça donne. Hein. Ouah, tu passes en premier, alors que l'autre... Ok. Alors, on a ça, ça c'est pas mal. On a du stun. Là, tu peux stun beaucoup de cibles. Waouh! Waouh, on aurait dû peut-être te mettre. Obliterated. Te mettre de la précision. Ah.
Très bien. Non mais sans déconner, faut que je regarde la précision parce que là elle est pourrie. Là, c'est vrai. Ah, peut-être les inverser. Pourquoi ? Aïe 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 aïe. The wounds of war can be healed, but never hidden. Pas mal. Yay. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Ça aurait pu mieux se passer quand même. Deux, encore deux tours à ça. Là. J'avoue que c'est un peu la merde sans repérage quand on doit faire les combats. Hein. Tu fais pas de dégâts, hein, c'est ouf quand même. Ah mais attends, tes skills ils sont pas développés. Ah. Ah ok. J'aime pas trop le fait que le bras bouge, mais pas la main en fait, parce que ça c'est la main, enfin, je crois. Aïe 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 aïe. Ah l'équipe bancale quoi. L'autre elle est pas augmentée avec ses armes, son équipement et tout. Eux ils servent presque à rien. Masterfully executed. Magnifique. Et puis en plus c'est elle qui tank genre tout le temps alors qu'elle a pas d'équipement augmenté, c'est trop bien. Magnifique. Merde, je crois que c'était là-haut. Ah, je suis pas trop fan du skin en fait. The wounds of war can be healed, but never hidden. Après si on transforme les deux, enfin, ça fait énormément de stress partout donc c'est nul. Hein. Mais je crois qu'on peut genre passer l'un à l'autre là, parce qu'ils ont une attaque d'avancée. Faire.
Attaquator, ça c'est quoi? C'est poussé. Waouh! Putain, toi t'as une précision de fou quand même. Du coup, je peux toujours rien faire, c'est bien. The light, the promise of safety. Je voudrais le pousser. On va le pousser pour que l'autre elle puisse tirer dessus, quoi. Ouais, j'aime pas le skin. J'aime pas du tout le skin. Faut que je l'enlève. Ils ont tous les deux le skin 2. Avec le skin de base quand tu soignes là, tu fais avec la petite bulle là avec la croix ou pas? Their formation is broken. Maintain the offensive. Ça fait un peu cartoon en fait. Ah merde. C'est quoi ça déjà du coup? C'est pour soigner le stress. Très bien. Let's go. On ira camper là-haut, je pense. Voilà, on a deux combats, c'est relou. C'est con parce que ça marcherait bien, je suis sûr qu'elle ferait du 30-35 hein, en crit. Hein. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Hein. Si toutes ses armes elles étaient à 4 là. Press this advantage. Give them no quarter. Continue the onslaught. Destroy them all. Très bien. Hop là. On a gagné. A death by inches. C'est quoi, c'est 500 là? Pas besoin du sang. Ah, est-ce que là elle va pas one shot quoi? Putain, c'est nul. Ah bah bravo. En plus, c'est que des attaques à distance quand il est en humain, c'est bien. Ah, mais j'ai mis des... toutes les babioles, elles sont mauvaises. Hein. Ah ouais. Non, non, toutes les babioles, là, c'est... Là, c'est tout nul. Eh bien, c'est tout nul. Du coup, ça fait plaisir. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Confidence surges as the enemy crumbles. Ah. Stop le stress quand même.
knit. Un peu. Ouais, non, t'as pas la bulle. C'est, j'avoue que la bulle en fait me sort un peu du truc. Ça fait pas très très. Vous savez, la bulle avec la croix rouge là quand elle soigne. J'aime, je suis pas très fan. Son stress, il est vraiment puissant quand même. Du coup. Parce que le skin il est sympa. Ou alors si on met comme ça, est-ce qu'il y a la bulle aussi? C'est juste la bulle qui me dérange. Il n'y a personne qui a un truc comme ça, donc ça fait très pas bizarre en fait. Il y a des mods de skin qui vont extrêmement bien en fait dans le jeu, genre tout ce qui est Dark Souls, honnêtement ça se marie bien, même Giant Dad à la limite, le look de l'armure et tout ça, il y a toujours des jeux un peu bizarres, donc honnêtement ça passe. L'armure de Pharam, elle va très bien aussi, enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont très bien, mais pas tout. Le truc c'est qu'il n'y a pas tout qui va. Donc du coup j'essaye de garder un peu une petite harmonie quand même. Enfin, tant que ça me va, moi, c'est plus important, c'est mon jeu. C'est moi qui joue. Faut que ça soit bien pour moi. Mais c'est pour dire, j'essaye toujours de garder un peu un côté authentique. Quoi. Oh, c'est quoi ça? C'est un confessionnal. Confessionnal, j'ai dû en croiser deux quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on met de quelque chose dedans, de l'eau bénite? Ah, faut que je regarde. Je dirais de l'eau bénite. Je regarde. Ouais, c'est de l'eau bénite. Alors, on a 50% de stressé, 25% d'avoir de l'argent et 25% d'enlever des perks négatives. Et si on met de l'eau bénite, ça enlève le stress. Et tu soulages le héros. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ça m'embête. Ça m'embête, donc on va retirer le mode. Ça fait deux modes à retirer. J'aurais dû lui cracher dessus là.
Joli. A trifling victory, but a victory nonetheless. Maintenant, camping. Même si ça paraît un peu tôt. A spark without kindling is a goal without hope. Alors, toi tu peux pas, donc ça, que sécurité soit avec nous, très bien. Alors après eux, ils ont pas des trucs très intéressants, je crois. Sang d'horreur, ça c'est pas mal, les infections, saignements et maladies, 40% c'est énorme ici, mais bon, le stress plus 20 c'est chaud quoi. C'est un peu chaud. Il reste combien? Deux. Voilà. Magnifique. C'est vrai pour tout ce qu'on pourrait rencontrer. J'aime bien ce petit feu et tout ça là, j'aime bien ce camping. J'adore quand on a des groupes comme ça, où on peut leur camper. Que ça soit convivial et tout, c'est marrant. Nickel. J'aurais dû tirer, putain j'étais boost. Ah bref. Ah niveau merde hein, je me porte bien des fois. Putain, n'importe quoi. Ah! Quand t'es loupé. Nickel. Ah, elle va même pas pouvoir tirer, elle. Trop bien. Ah, j'aurais dû taper lui. Oh lolo. Ah, niveau faire n'importe quoi, ça se pose bien. Bon, ça va, on a esquivé. Ah, ça y est, oui. Très bien. Voilà, cette attaque est pas mal. Le fait que ça touche deux cibles, c'est un peu comme le docteur de la peste. Mais là, c'est deux cibles au centre. C'est pas mal. Ça a eu une bonne utilité quand même de spammer ça. Le bruit que ça fait, c'est tellement étrange. Ah, merde.
C'est marrant parce que le mouvement il s'appelle Absolution, mais ils sont pas croyants. Je sais pas, est-ce qu'on peut demander l'absolution en n'étant pas croyant? Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Est-ce que ça fonctionne? Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Elle pouvait facilement les one-shot ces trucs-là. Et si elle avait son équipement à jour? Ah non! Ah le mauvais. Ah mais en plus elle a. Si elle loupe, elle prend 5 de stress, je crois. C'est pour ça qu'elle, c'est une horreur pour elle. C'est pour ça qu'elle monte aussi vite. Aïe 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 aïe. Ouais. Aïe aïe aïe. Peut-être on peut plus le tuer. Nickel. Elle va stresser. Elle va devenir quoi là. Il n'y a pas de problème, c'est ça. Ça arrive, ça arrive. Alors, précision et critique, la taille 8. Well struck. Nickel. Comme ça, ça débuffe deux personnages, deux ennemis, voilà. Allez, deviens folle. On va faire ça. Est-ce qu'on peut le stun? Non. Parce que comme ça, je voudrais arrêter la précision. Ça, là. La protection. Et voilà! C'est bien. Yes, yeah, c'est bien. Self-preservation is paramount at any cost. Aïe aïe aïe. Ah merde, c'est pas la bonne attaque. Hein? Ok, tant qu'elle se soigne, c'est bien. De toute façon, égoïste, elle va pas refuser de se soigner. Comment on va le tuer lui? On va devoir se transformer là. Putain, faut que j'arrête d'attaquer. Hein. Laisse-le-moi, je dois envoyer son être tout entier à la fournaise. Oh, mais tu peux pas te... Tu peux pas le faire plusieurs fois. Oh là là.
Ah tiens, critique de soin. Oh mon dieu, on peut partir. Ça devient ridicule. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ça devient ridicule. Ça, à la limite. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. On va se débrouiller, vous inquiétez pas. On va se débrouiller. Très bien comme ça. Très bien. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. On a pas de pelle. On n'a pas de clé. On va prendre directement ça parce que de toute façon, on n'a pas de clé. Bravo, bravo, on n'a pas de clé. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ah, on s'assoit sur un petit pactole, hein, c'est bien. La lumière me promet un destin plus glorieux. Yes. Bon, je vais arrêter de taper parce qu'elle fait que louper en plus, c'est une catastrophe. Je sais pas combien elle a de précision, elle doit avoir moins 150. Mon dieu. 3 runs, c'est peut-être trop long en fait. 2, c'est bien. Bonne vidéo. Deux, c'est bien. Allez, je vais en finir. Oh. Oh. Parfait. Mais on va voir. Enfin, encore heureux qu'on a plus qu'un combat à faire, hein. Et encore. On peut. Quoique, non, c'est des couloirs qu'on n'a pas découverts, donc les ennemis normalement peuvent pas venir. Peuvent pas apparaître. Oh là là, pas ma place ici, vas-y. Ça devient absurde. C'est un peu une catastrophe qu'elle puisse pas taper au rang 1 là.
This expedition at least promises success. Ok, ça c'est quoi? Ça, il faut juste la toucher, je crois. Esquive et protection. Ah, c'est bien ça. Esquive et protection. T'as pas des habilités pour tirer au loin? Enfin, si, t'as ça pour toucher. Toucher devant. N'a pas de pelle, n'a rien. Non. Ah, l'équipe, hein. Ah, c'est l'équipe qui survit grâce au breloque, hein, de haut niveau, hein, c'est tout. Y'a rien d'autre. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Y'a vraiment pas autre chose. In radiance, may we find victory. Et c'est bon, allez, dernier. Aïe aïe aïe, commandant osseux. Ça devrait aller. Decimated. Ce qui est bien, c'est qu'il baisse la protection, la résistance à l'infection en fait. Ça c'est vraiment bien. Je vais pas essayer d'attaquer parce que je suis encore capable de la faire avoir une crise cardiaque si ça continue. Très bien. Ouais, c'est pas si mal, double bête. C'est pas l'idéal, mais c'est marrant. Ça passe, quoi. Après, pour des hauts niveaux, je sais pas. Il faut mieux les équiper, parce que j'ai un peu équipé n'importe comment. Quoi. Très bien. Après, je me demande, avec... Docteur, ça... Ouais, ça pourrait être intéressant. Genre l'équipe Dot, quoi, mais vraiment au max, avec un flageolant en plus. Ça peut... Ouais, ça peut être drôle. Ça avec un flageolant ou alors quelqu'un qui peut faire... Ah non, un brise-bouclier. Face aux bêtes, inattention, horreur, naturel, sert à rien. Mais elle, il faut la... Je sens qu'on va la virer alors. Je sens qu'on va vraiment la virer tellement qu'elle est nulle. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Très bien. Très bien. Ouais, ça peut être pas mal. Ça fait quoi? Ça fait 4 points. Au niveau supérieur, ça fera peut-être 5. Et ça réduit la résistance à l'infection. Donc du coup, ça passera mieux. Vous rajoutez ça avec le docteur qui fait de l'infection. Vous rajoutez ça avec le brise-bouclier qui fait de l'infection. Ça peut valoir un truc. Ou alors le flagellant, parce qu'il faudrait quelqu'un en première ligne, en fait, parce que lui, il faudrait qu'il reste en deuxième ligne. Donc, faut qu'il fasse ces deux trucs, en fait, tout le temps. Donc, faut qu'il reste en deuxième ligne. En première ligne, c'est le brise-bouclier, mais le brise-bouclier en première ligne, il fait pas d'infection. À part ça, mais ça le fait bouger, donc c'est pas bon. Et pour ça, c'est en deuxième ligne. Ouais.
Donc ouais, un flageolant pour du saignement. Je sais pas, faut au final ça revient au même du coup. Je sais pas. Bon enfin c'est pas grave. On va s'arrêter là, on a bien avancé. Enfin je crois. C'était un peu fatigant, j'avoue. C'était un peu long, un peu long. 3 c'est peut-être trop. Silence dans les cryptes, antiquaires sont là. Infection et maladie. Là on a les objets. Marée douce. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal par contre pour le maître chien. Ouais, on essaiera de faire ça. Parce que ça, je l'ai pas. Dégâts 20 et du saignement en plus. Genre les deux ensemble, c'est très bien ça. Ah, tu m'étonnes que c'est du vétéran en long. Ouais, faudra voir comment on fait du vétéran en long. Ça risque d'être un peu chaud parce qu'on commence à plus trop avoir de personnages 3. Et si on prend du 4, ils vont passer à 5. Ah, si. Peut-être. On verra. On verra la prochaine fois ce qu'on fait. En tout cas, merci d'avoir regardé comme d'habitude. Et à la prochaine. Peut-être qu'on commencera un peu le DLC aussi. Parce que j'ai envie d'avancer dans le DLC. À la prochaine. Ciao!